gestion dirigeant nous fait de pays maintenant. Un si beau pays, un pays que nous remettons, mais c'est avec tristesse m'a regardé et m'a suivi avenir petite moi, avenir petite voisin, les sombres. Alors que nous ne savons cap végéter dans la misère, dans la souffrance atroce. En l'autre côté, on équipe monde à bambiler, à prêt fait l'argent. Et puis il y a bien marché sur groupe machine et puis peuple pas même monter en cheval. Son pays comme ça m'a regardé qui finit pas fini. Alors que moun sa yo cap 5% moun sa yo cap 95% richesse pays a, yo senti yo à l'aise, yo bien. Alors que étranger a grain dans son nom, étranger a passé dans bêtise. 5% moun sa yo pas rendre compte si yo même gens avec nous-mêmes qui dans la misère atroce. Son pays comme ça que avec l'âme aux yeux que m'a regardé et moi offri vie moi en holocauste pour pays ça. Avec équipe nous mobiliser pour question ça. Malgré off, malgré 5% veut aller nous mettre sous même porte avec yo. Mais nous dit non, faut lutter pour changer ça. Son pays comme ça que moi t'a remé les grand monde sous bâton pour petite moi jeune cap vigno dit monsieur équipe pas moi en dans mosec en dans opposition te font travail pour pays ça te changer j'en là. C'est rêve nous ça parce que pays ça li pas ba nous goût pour nous vivre là-dedans. Mais comme l'homme est la mesure de toutes choses, nous croyons fermement nous qu'à changer ça et ça a changé. Écoutez, ancien député de Serge Jean-Louis, il fait remonter dégénérescence société, effritement de valeur, situation dans le niveau bas que nous là avec l'arrivée du PHTK. Si je ne me trompe pas, est-ce que objectivement, désolidarisation, ça, désorganisation société, il n'y a pas remonté plus haut que ça? Bon, moi-même, il faut prendre que PHTK, c'est le dernier goutte d'eau qui renverse le vase. Mais nous connaissons le pays d'Haïti, depuis le mois où je suis jeune, m'a pleuvé. Nous qui avant nous, pas de prendre trop de mesures pour éviter PHTK à faire travailler ça. Donc, moi, papa le dit, c'est PHTK, mais pendant que je lis l'histoire et je vive, c'est la première fois que je vois des dirigeants, tant que les gens qui sont dans PHTK, conduit le pays. Ce n'est pas eux-mêmes qui font l'île là seulement, mais c'est la première fois que moi des dirigeants, tant que les gens sont insouciants, ils sont déloyaux. Donc yo vraiment pas sensible pour pays, yo pas gain sentiment d'appartenance que pays ça c'est pour yo pays. C'est première fois que me vive ça, que me lis ça et m'a vive ça dans l'histoire pays moi. Donc c'est une situation qui fait de mal parce que nos frères et sœurs de PHTK, ils sont tous des haïtiens. Malheureusement, je dis bien nos frères et sœurs du PHTK sont tous des haïtiens comme nous. Mais pour qui ça, il est obligé d'arriver là, à ce pays-là. Alors, ce que tu as une possibilité, là où tu es monté sous pouvoir, puis tu as fait en pile propagande, en pile promesse, puis tu as changé donné. Mais malheureusement, moi dis, équipe ça, c'est le dernier goutte d'eau qui renverse le vase-là. Fait pays là. Depuis le siège, est-ce que c'est pour, on dit, genre, déresponsabiliser, en fait, classe politique, on a dit classe là, puisque nous-mêmes, on est en bataille longtemps, depuis 86. Et. Pendant toute période, ça, acteur ou pas trop différent, c'est parce que son cycle, les mêmes acteurs, les mêmes têtes qui sous scène là. Est-ce que c'est pas dans la dynamique ça? Est-ce que vous faites remonter des générations effritement de valeur à PHTK? Alors, je ne vais pas faire mes balles là totalement à PHTK. Non, on s'y chante malhonnête quand même. Parce que je dis bien. Et ben, parce que fait presque trois décennies politique, je commence l'activité politique moi en 1984. Hein? Très jeune. Pas quand même fait, non? Non, voilà. Alors, m'entrer là. L'aime de vous entrer, parce que ça n'est dans l'école classique. Et puis, professeur qui est anti-duvalier. Okay. Et puis, après, recruter moun. Et à force, nous posons un paquet de questions. Ça me barre un compte. Mon professeur, pas jamais oublié ça. Il m'a toujours admiré, monsieur. Monsieur, il est égard Marseille. Il est le meilleur professeur social de l'époque, originaire de Gangouave. Monsieur, c'est ça, parce que monsieur fait, il faut un autre détente, il faut dimanche. Il sortit de la prison sous nos mounes. Les monsieur sortit de la prison, monsieur expliquait, il battait dans la taille. Il battait des coups. Les monsieur sortit.
monsieur comme tu me d'accord monsieur vin gon hel c'est gon hel quand c'est ça une prise de contact monsieur mettez moi dans baï ça faut m'admettre que t'as des problèmes on pas qu'a dit tout problème pays là c'est PHTK mais faut me d'accord avec Mazarin quel mieux coup d'eau qui renverse cette situation hein qui renverse face c'est PHTK pas dit nous baï moi toujours une thèse qui m'a soutenu pendant un bon nombre de temps, les fonctions politiques doivent être exercées par des hommes et des femmes qui font de la politique pratique, en d'autres termes, par des professionnels politiques. Je ne parle pas de professionnels politiques, je parle de des gens qui ont la compétence politique nécessaire pour occuper des fonctions politiques. Je ne parle pas de la qualification. Mm-hmm. On peut être qualifié, on n'est pas compétent. En politique. Oui, je suis d'accord. Oui, d'accord. D'accord. À partir de ce moment, on ressemble des problèmes qui existaient. Par exemple, souvent, le régime qui passe, il y a une corruption. Il y a une irresponsabilité. Mais il y a un niveau ça. Il y a un cas d'insécurité. Il y a un niveau ça. Quand il y a Mazarin, ou ap d'accord avec moi, et va ou ap d'accord avec moi. Mm-hmm. Bon. Si ou appelé pour prendre pouvoir, pas vrai, m'a vivre dans le pays, ya, Mazarin, ou ap admettre que nous connaissons le problème qui existe. Nous connaissons le problème qui existe. Si nous venons pour pouvoir, dans l'espace de pouvoir que l'autre monde passe, nous venons pour corriger les erreurs commises par les gens qui étaient là avant. Nous nous sommes dit d'aller avant d'avoir tout du question. Hein? L'objectif fondamental d'une structure politique, c'est de partir à la conquête et l'exercice du pouvoir politique. L'homme pour pouvoir, c'est pour. Quand vous prenez le pouvoir politique, vous occupez des fonctions politiques, vous êtes dans l'obligation de donner des résultats. De l'EPHTK a commencé sous Michel Martelly, malheureux. Et heureusement, nous autres, c'est au niveau du Mopod, nous l'avions combattu. Ouais, parce qu'on compte toute manifestation, nous ne pas d'accord. Parce que nous croyons fermement au monde qui prend le pouvoir politique, il faut te sortir dans la structure politique. Donc, vous mettez ça. Donc, on bat, malheureusement. Même si au départ, nous j'étais basse, nous étions arrivés là. Quand même. Oui, moi-même, depuis, je parle là, depuis que j'ai commencé l'activité politique, au-delà des au mai 17 février 1986, je fais politique dans la structure politique. Premier parti politique, militer, débuter là-dedans, il est Konako. Congrès national des mouvements démocratiques qui fondait FNCD, Fonds national pour le changement et la démocratie, qui était by élection 16 décembre 90, 4 février, 21 janvier 1991. Mais nous sommes hommes de parti. Donc, à partir de ce moment, on prend pouvoir, il faut admettre que, un ensemble de problèmes, il faut aller une solution avec vous. C'est pas ça que fait. Situation empirée. Tous les indicateurs sont au rouge. De l'EPHTK monté au pouvoir, à Jodia, il n'y a pas de résoudre aucun problème. Et, Eval, Marco, tout le monde qui a été là, qui a été là, va admettre, au lendemain du 7 février 1986, nous faisons choix, un choix de régime démocratique. Nous votons la constitution de 1987 qui établit le principe de la séparation. Les trois pouvoirs. Les pouvoirs sont indépendants. Les uns, les autres. Et l'article de la Constitution 1987, là, article 136 de la Constitution de 1987, fait obligation avec un monde qui est président de la République pour faire fonctionner toutes les institutions étatiques. Regardons ce qui s'est passé pendant deux mandats de PHTK. Il n'y a pas organisé l'élection même pour Kasek. Même pour vous, voulez. Kasek, yo. Les collectivités territoriales. Et c'est ça, me parle là, tous les indicateurs sont rouges. Dès le PHTK va pouvoir à aujourd'hui. Vous dites, c'est opposition qui a toujours fait manifestation, ouvertement des zones, oui, c'est ça. C'est ça, c'est tout de suite. Ils n'ont pas organisé élection, même pour Kazakh. Au contraire, ils ont dissous le Parlement, même si ce n'était pas le mot qu'il fallait utiliser au moment où le président, M. Jovenel Moïse, président d'alors, a pris cette décision. Les mots qu'il devait utiliser, c'est le dysfonctionnement. Du Parlement même. C'est président quand on parle de fonctionnaire. Oui, j'ai dit 7 février, avant 7 février 1921, ou au moment où il était président. Il prend une décision, il dit le grand Parlement caduque. Ce n'est pas le mot qu'il fallait utiliser, c'est dysfonctionnement du Parlement. Parce que, quand même, 10 élus qui étaient. Ah oui, l'institution existe en fait. Il existait. Maintenant, à partir de ce moment, il n'y a pas fait
Qu'on y a, pour cette issue 87 là, ben droit pour manifester. C'est pas moi qui choisis manifester. Mes droits sont garantis, mes droits à la manifestation ont été garantis par la Constitution et sont garantis par la Constitution depuis 1987. Maintenant, c'est pas parce que l'opposition a fait manifestation qui est empêchée pouvoir réaliser ça, de réaliser pour aller piège. C'est ce meilleur moyen. Et ça me sonne pas là. Parce que nous piège, monsieur. C'est piège, mais vous pour piège. Parce que ça vous fait. Et ça me sonne là. L'on peut arriver au pouvoir, l'on peut entrer dans le pouvoir. Pour y aller, pour gagner, il faut gagner compétence politique. Quand vous avez une compétence politique là, c'est à l'intérieur de nos structures politiques, oui. Ou alors entrer dans le parti politique, alors on va parler parti, nous, je suis toute jeunesse, moi, mettez que qu'on a comme. Très, très bien bonheur. L'entrée dans la structure politique, il y a un tour qui gêne l'État à fonctionner. Comprenez? Il y a un tour qui gêne l'État à fonctionner. Un parti politique, un parti politique sont l'État en gestation, sont l'État en miniature. Il y a un tour qui gêne le Parlement fonctionner. Il y a un tour qui gêne la collectivité territoriale fonctionner. Il y a un tour qui gêne le pouvoir exécutif bicéphale fonctionner. Il y a un tour où on a un régime. C'est le parlementaire, c'est le présidentiel, ou bon, exécutif bicéphale. Yo dou, mais sa président qui est pour le faire. Yo dou, mais sa premier ministre qui est pour le faire. Son premier ministre désigné par le président de la République, tiré à partir d'une majorité au Parlement. Yo dou, mais où le premier ministre là? Tout bail ça yo. Et puis yo dou, l'on prend pouvoir. Bon nombre de temps pour son période d'adaptation. Pour jeter les premières bases. Vous comprenez? J'étais la première base, mon cher, j'ai 100 jours dans mon. Bon, ensemble de bagailles mis en place pour faire. Même si l'opposition a critiqué ou va gagner pour suivre l'opposition, non? M'gagne pour me faire ça, l'orientation, ça choix me fait demander pour me faire. Je dis que 100 jours, m'a suivre. M'a pris initiative, m'a fait le gouvernement, m'a fait des changements au gouvernement de là. Et puis, combien, comme président de la République, vous faisiez premier ministre, vous formez cabinet ministériel. Et puis, feuille de route, premier ministre, président, bail l'orientation. Premier ministre, le premier ministre, c'est le chef du gouvernement de la République. C'est lui qui mène la politique générale du pays. Vous faisiez un premier ministre qui compte pour une tasse politique. Qui vous fait ça? Qui ça vous pouvez empêcher de faire? Kounia, pendant qu'on a fait ça, soit violé. Constitution, soit fait ça ou t'es mieux fort ou pas faire. Qu'on y a l'opposition à l'obligation de vous critiquer. Maintenant, quand on a une démocratie fonctionnelle, opposition gagne son position institutionnelle. L'opposition naît au sein du Parlement. Qu'on y a, par exemple, l'opposition, si Samdaka dit l'opposition, est gérée en fait par. La minorité au Parlement, parce que c'est la majorité qui gouverne dans un régime démocratique. C'est la majorité qui gouverne. La minorité est en face de cette majorité, critiquer majorité hein, pour faire forcer majorité à faire des bagages. Et puis, quand l'opposition est l'opposition institutionnelle, l'opposition critique le gouvernement, mais propose au gouvernement ce qui est pour le passer au moment là. Maintenant, quand il n'y a pas ça. Le Parlement n'existe pas. Vous n'existez plus, vous voulez. Vous avez une opposition extra-institutionnelle. Ce soir, il est l'opposition à travers les rues. Mais, mon cas fait l'opposition à travers les rues, il n'est pas responsable, non. Il n'est pas responsable parce que le Parlement doit exister. On ne va pas faire le Parlement, il va venir dans l'arrière. Et même les parlementaires doivent exister. On va le prendre le bac avant. Le Parlement doit exister. Il y a des bacs qui ne vont pas chez le pays. Mon parlement, l'entité parlement sortie, l'entité ça qui doit organiser manifestation pour supporter minoritaire dans le parlement. Mais Eval, pas ça yo. Pour comprendre bien, ça m'a parlé là, mécanisme ça yo. Faut sortir nos structures politiques, faut sortir nos organisations populaires, organisations paysannes, organisations quelconque qui apprennent nos bagages ça yo. Moi, m'a parlé là, j'ai subi des formations au niveau. Qu'on a comme. Puis c'est le député 16 décembre 1990. Ce sont ensemble des camarades qui se tiennent à travers le pays avec des députés de la majorité à l'intérieur de la c'était des mots dans la doctrine. L'entrée dans le parti politique. Le parti politique, il y a une fonction parti politique, il y a une parti politique grosse. La fonction doctrinale. Il faut doctriner. Je dis,
pas dire ça pour fois ces personnes. Même dans nos paquets de monde politique et qui pas connaît rien dans la question idéologie non. Dans les amis. Il va rentrer à gauche. Il va rentrer à droite, il va rentrer nationaliste. Il n'y a pas de frontière idéologique. Il y a une frontière idéologique ici. Il y a gauche, il y a droite, il y a de tous côtés. Les idéologies, ils ont existé. Ils ont des caractéristiques. Il faut qu'on ait, il faut passer dans l'école politique. Par exemple, moi-même, moi, je suis dans la plateforme Libération. Deux plateformes Libération nous fondé Moupod, 17 octobre 2012. Et depuis là, à l'intérieur de Moupod, deux Moupod étant, nous arrivons, on a deux mains. De deuxième lundi mois de janvier 2021, quand M. Jovenel Moïse, président d'alors, a pris l'initiative de rendre caduc le Parlement, c'est le mot qu'il a utilisé, mais c'est pas là. Maintenant, là nous constatons ça. Bon, ensemble des camarades qui habituent une par l'autre, nous dit monsieur, nous allons directement vers une dictature. Dès là, il y a une large concertation qui fait. Dans les différentes entités politiques qui travaillent ensemble, qui étaient dans la dynamique de mobilisation, bah, et les COVID a été annoncé, des gros camps pour fête, camp au lendemain de juin, qu'on y a dit, on ne peut pas croiser bras. Déclaration du 21 août, on sait des bails comme ça qui fait, on ne peut pas concertation patriotique populaire. Et puis, on peut débattre à l'arrivée, un ensemble de camarades qui dit, monsieur, et le groupe ça a fonctionné, on a identifié une entité pour nous mener au mouvement, nous pourrons le fonder. Le 16 novembre 2020, le 16 novembre, nous allons fonder Force Nationale pour la Démocratie. FNDA. Comment? Quand il y a mon goumé, quoi que ça va venir? Parce que nous allons faire. Avant le début de Serge, je vais poser Mazarin en question. Mazarin, écoutez, le député a dit que, ou la description que le député a fait, et tu as supposé, en face au pouvoir, une opposition, une position alternative. Mais en tout cas, c'est une évidence, c'est un constat. Et ce disons là que je me conseille de lire, et ce n'est pas l'opposition qui est responsable. Et que l'administration va faire élection, je me conseille de lire. Mais le constat, c'est que l'opposition en fait politique à l'image de la société. J'en société a fait politique. Dans le sens que. Manifestations qui sont droits constitutionnels, c'est violence qui fait la donne, c'est craser business monde. Donc, est-ce que dans ce sens, ça, gens pratiquent au niveau de l'opposition, je dis bien à l'image de la société, est-ce que là, même si c'est, pas, après, c'est pas réellement comme ça, Mazarin, pas problème. Donc, est-ce que là, puisque. Pas j'ai une voie alternative, donc c'est ça qu'ils ont critiqué. Côté nous arrivé là, c'est pas un bagaille qui au hasard. Moi-même, comme croyant chrétien, entre temps, m'a salué tout le monde qui branche radio RCFM qui n'a mis en balai, qui est relayé. PDG Israël Rouge Claudie qui fait nos signes là. Mais c'est très important. Attendez. Monde là, gagne des socs que le chita soulé. Moi-même, comme éducateur, moi. Après, bon Dieu, dans celle-là, nous dit éducateur, c'est co-créateur, monde qui est. Parce que l'autre a eu à dire si les arbres naissent arbres, si les animaux naissent animaux, mais l'homme ne l'est pas homme, il le devient par l'éducation. Comment est-ce que nos dirigeants, l'État d'Haïti, lui accepter, abandonner les machines qui vous font mon nom, et je dis à nous, le pays a été un pays qui a un résultat. Comme croyant, chrétien, moi dis encore, bon texte qui dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il y a point d'horreur pour le peuple. La loi, on prend la loi. Pour nous respecter la loi, il faut le devenir éducation pour qu'il fasse respecter la loi. Bon, nous, non seulement nous disons nous avons la loi, mais pas faire promotion, plaidoyer pour nous appliquer la loi. Parler de partis politiques, même tout qu'on est bien en Haïti, ça pas existé.
ça va exister même à 20% pour ne pas aller exagérer. L'homme dit pas exister en termes de fonction parti politique. Mm-hmm. Comme école qui doit former moun, j'ai un député à Sotil là, lui même dans ce temps par là, il était bien chance parce que mon école idéologique qui fait que lui même lui gagne cut off et n'importe vente doctrine politique, n'importe off pour 100 gouttes, pour 200 000 gouttes, pas qu'à botter l'allée. Or, je dis, nous jouons des patatis, de nègres, cavaliers, dans de l'eau, qui cherchent comme. Gardez comment structure, PHK a été monté. Gardez avant qu'on ait été chef. Gardez parti avant, yo, quand on a monté. C'est pas qui fait pour élection, c'est pas qui a un projet société là-dedans. Tout ça, c'est parce que l'État est absent et le grand monde, pas le rôle en Nakaïla. Si vous faites ça, vous voulez. Même moi, je crois, en question ça, bon bagay, kap di, c'est un truc que pouvoir en place à utiliser, ou bien système à utiliser, pour qu'à renouveler tête li. Opposition, hein, t'es empêché de me faire ceci, t'es empêché de me faire cela. Du point de vue légal, qui ou responsabilité la loi baye opposition? Bon, mon texte. Ne pas faire une nouvelle comme ça. Non, alors, et Bazarin, oui, sur le plan légal, pas de compétence, pas de mission. Mais, député Serge Jean-Louis, a d'accord que dans tout pays, opposition comme, au nom du principe de la contradiction, certainement la démocratie, lui là, l'a réfléchi, l'a regardé erreur, pour dire, population, il ne fait pas faire ça. Comme ce qu'il a, mais nous même ça me proposer. Comme un bagaille, comme un bagaille, comme un bagaille, comme un bagaille, on reçoit ça, fait pendant plusieurs fois. Par exemple, 8 septembre, Nalmir allait, nous montons, nous avons un document, nous travaillons sous lit, nous disons que notre pays a dû aller. Mais malheureusement, nous qui au pouvoir, le quoi? Depuis le pouvoir, c'est eux-mêmes seuls qui l'État, qui sont représentants de l'État, opposition par un et pour eux. Parce que, même j'ai en 2004, opposition, bon, on forme ou on l'autre, t'as fait de revendications et t'as demandé changement. Mais, monsieur qui était au pouvoir, il n'y a pas, bien que l'opposition a été l'autre bail derrière lui, mais il n'y a pas tant de. Nous sommes bien sortis dans l'élection 2000, ça vient de tomber, crise. Donc, là, on est sous pouvoir, quoi que, tout bagaille, il y a assez pour l'Ilié, et là, capable de prendre peuple à Jean-Claude Blé. Parce que, il n'y a pas fait sociologie, mentalité haïtienne. Peuple haïtien, même quand, ou même, ou sous pouvoir, libre pouvoir, pour marcher avec lui, mais qu'on déroute, la camper en face. Et nous te dit de toi, collègue, ou ouais, opposition ça, n'importe ne guille, quitte-le. N'importe femme qui veut quitter, elle mange dans le pouvoir. N'importe chien qui t'a pris tête opposition, ça, la marche avec elle. Parce que le peuple a rien mis compte, représente un pas mal service. Donc c'est naturel. Quand droit population bafoué, c'est normal pour que yo même le révolté. Lorsque droit monde a violé systématiquement, mais on connaît bien tout peuple qui est opprimé, il a appelé pour révolter. Donc c'est une loi naturelle. L'opposition qui n'a pas parlé là, c'est l'opposition qui alerte en pile. Qui dit, pouvoir PHTK parler là. Ça n'est pas bon, parler là. Bon, il y a des gens qui sont obligés de transformer tête en karatéka pour dire non, ça va pas fait. Mais monsieur dit, adelante. Mais est-ce que vous faites mais vous êtes présent, c'est moi. Est-ce que ça va dire là, vous faites la unité, vos documents, vos accords qui viennent, etc. Non, mais allez, mais pour un accord. Vous n'avez pas, je me dis. Là, moi, c'est père de famille, c'est mon plus grand, c'est mon pouvoir dans mes mains. C'est moi pour montrer possibilité pour nous entendre d'abord. C'est pas petit si non pour nous venir moi. En plus, fois, nous-mêmes, comme chef, comme autorité, parce que Jésus qui est exemple, là où c'est serviteur, c'est nous-mêmes d'abord pour servir. Donc, nous-mêmes, comme autorité, comme chef, nous croyons que nous qui en bas, c'est pour venir nous bonjour, tonton, bonjour, ma tante, parce que c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir, nous qui avons les âmes, non. Non mais nous, ça conduit nous à la dérive. Ça conduit nous à mettre pays à nous pas humble, nous manquer de sagesse. Par exemple, on dit, monsieur dame PHTK, t'es gagné possibilité, ça pouvoir avant, t'es raté à que t'es fait. Hein?
moins de 500 000 monde yo dit dans élection que ou gagné. Mais ou pas comprendre que ou dit monsieur président tout haïtien et pour moi marcher sur monde pour moi qui est le fait c'est chercher un consensus national avec des gens qui t'a fait politique avant acheter t'a parler avec yo quatre sous table on sauver pays là. Mais monsieur au lieu de faire ça c'est son zègne qui était campé lui. Il a lancé l'étagé au secteur. Val, Val. Ou c'est un jour, un journaliste qui fait enquête, qui sous terrain, qui soupeque sur ça. Nous, tu connais bien tout le monde, c'était pour bluffer le monde. Mais après le pays, avenir petit monde, avenir petit tout, avenir masse monde qui a passé misère, qui dans la saline, qui dans la moto, qui dans le l'air. Qui a couillé chaque jour. C'est pour ça qu'il a parlé, oui. Moi qui m'a mis au balai, qui a crasé, jeune tout le marron, qui a battu, qui a arrêté. Mais voilà, de yo, moun sa ou te doit voler systématiquement. Donc, bagay sa yo, là nous pays, et m'a garanti, si humilité ça, sagesse ça, si le monsieur était utilisé, pays a tapralé. Gon bagay pour nous connaître, pour nous finir. Nous tous dit étranger par de nous. Étranger fait carré par de nous. Tout le temps ne pas chercher un consensus national. Étranger a fait à utiliser les gens qui ont un problème avec vous, qui sont haïtiens, frères, qui sont avec vous, parce que vous ne pas chercher en entente avec lui. Vous ne pas chercher à faire comprendre que le pays est pour les lier. Je dis à moi que le moment arrive pour que le peuple haïtien entende la raison pour nous voir les gens avant l'argent, avant la richesse. Parce que ça, c'est vanité à passer. Ça, c'est mal qui a passé. Val, quel que soit un million, million de cas Val, comme haïtien, je ne veux pas un lien ou l'aide. Et c'est ça, mon ne pas comprendre. Qui fierté m'a parlé de Saline, Christophe, Capois et Latrier, alors que m'écoutez notre pays, après au fin de notre indépendance. Moment arrivé, pour bien de monde qui pas prêche à parler avec nous qui en face de qui c'est vrai démocrate qui pas prêche alternatif. Moment arrivé. Parce que je dis à nèg la quoi, si je viens parler à Val, Val a remonté, l'embral dans l'élection, Val a une possibilité pour jouer deux mounes en plus. Je ne vais pas laver le même, je vais écraser le net, je vais gaboter dans l'argent pays, et puis je vais quitter le athée. Non, son pays de non, son pays de Javrine, son pays qui a une histoire, son pays qui fait le monde te trembler. Nous pas capables de faire ça. Et moi, je me fais un rêve, je dis nous, parce que nous sommes dans le centre, qui est un centre géographique ou bien géométrique. Quand nous sortons à nous croire, parole n'a pas là, c'est une parole révélée. Faut nous m'arriver pour moi-même, si je suis en tort, si je suis perdu, pour me dire perdu, et pour me vencer. Parce que, dans la vérité, monsieur, dame, au pouvoir, tu étais quoi, tu as fait 50 ans, 100 ans sur le pouvoir. Mais les résultats, c'est pas ça, au bail. Le peuple a demandé pouvoir. Où est-ce que le pouvoir? Moi-même, je sais. Je ne pas fait une intervention. Sous question de l'opposition, vous utilisez deux bagailles. Premièrement, on dit vous critiquez pour dire que l'opposition ne propose pas ou l'opposition n'a pas d'alternative. Un. Deux, en général, l'opposition fonctionnait à la manière du pays et que différentes manifestations ce sont des manifestations violentes. Je dirais le contraire. Premier bail Mabdio, l'alternative, tu es toujours bien l'alternative. L'alternative est synonyme des ressources humaines, des idées mal développées puis devant. C'est synonyme des idées et des ressources humaines. Samuel, des idées ou élaborer un plan, ça nous est les feuilles de route là, qui nous toujours mêlés. Et qui n'a tête nous là. qui est les principaux objectifs clairement définis. Ma bonne de toi là-dedans. Il y a quelqu'un. La transition de rupture. Au départ de Jovenel Moïse, et ça a noté avant 7 février 2021, nous dit départ. On peut aller vers une transition des ruptures. Et nous avons un contenu des transitions des ruptures. On compose, nous dit qui ça côté nous parler. Nous parler vers la Cour de cassation. Pour tirer un juge de la Cour de cassation. Parce que nous ne parlons pas de phase constitutionnelle. Nous parlons
tout près de la constitution. Deuxième bagaille, ou ensemble de vol, de gaspillage qui fait dans la société, hein, par exemple, 4 milliards 800 millions de dollars dilapidés. Faut faire jugement, monde qui dilapide. Quel que soit, bah dis sous régime PHT, pas seulement, non, bah dis sous régime PHT. Quel que soit, monde qui dilapide, 4 milliards 800 millions de dollars, faut traduire devant la justice. Comprenez? Par exemple, des massacres qui fait pendant mon plusieurs côtés d'un pays, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Des pour faire crime, faut admettre, on paraît devant tribunal pour le juger. Comprenez? Et gros maman Pemba nous dit, système pesé sous ces sacs, il est fini. Nous allons organiser la conférence nationale souveraine, telle que défendue par l'honorable sénateur Thuen Abdelpe, le regretté de moi, un grand sénateur. Mais moi, je ne comprends pas ça, non, ça s'est passé. Non, parce que tu as goumat. Non, pas là, la conférence nationale s'impose de par elle-même. Ouais. La conférence nationale, ce n'est pas la conférence nationale de Thuen Abdelpe, la conférence nationale dépasse Thuen Abdelpe. La conférence nationale dépasse le MOPOD. La conférence nationale dépasse le PNDBH. D'ailleurs, pour montrer que Thuen Abdelpe fut un grand homme, l'idée a dépassé. Et ça, c'est ça qui explique que mon ami. L'idée avec mon idée, ma dimension, Dieu mouille, l'idée a dépassé qu'on y a la conférence nationale, vini l'affaire nationale. À partir de ce moment, on dit là, il faut nous changer le système. Ça. L'organisation de la conférence nationale a mené nous vers changement de système. Et dans le débat sur la conférence nationale, là, nous posons ensemble des problèmes, notamment les débats sur la constitution de 1987, quand pile mon avec le bail pour un petit bout de bail, sur la constitution de 1987, qu'il y a beaucoup de débat sur lui, à travers les contacts qui font des débats organisés à l'échelle nationale, il a dit s'il faut changer la constitution, c'est la conférence nationale, il faut garder la constitution, c'est la conclusion de la conférence nationale. Bon, vous posez question. Ah, c'est fini, non? Ah, okay. Il voulait ça. Analyse. Mais, analyse. Sous question violence, ça. Bien. Sous question violence, jamais. Alors, c'est de la réflexion, oui? Oui. Qui montre que non. La société haïtienne, c'est une société de violence. Bah, oui, mais rencontre qui fait avec les chefs de file. Eval, ma petite ça pour téléspectateurs, pour téléspectateurs, pour auditeurs, nous pas jamais fait choix de violence dans manifestation. Jamais. On va chaque jour nos dirigeants politiques vini ban nous parler sur mobilisation pour nous demander mobilisation violente. Bah vrai. Ça pour nous passer gagner l'heure. Ou bah ça aussi de pour prendre temps pour garder. Manifestation a déroulé paisiblement, pacifiquement, et la police qui va au côté, les bails gaz sans raison. N'importe côté bails ça arrive dans le monde, réaction foule là, ou une réaction violente. Et des fois, dans le meilleur des cas, il y a de laisser l'infiltration de pouvoir, les pavres de manifestation est ici, comme si tout bails passait. Comme très bien, vous comprenez Abdoula, parce que nous voulons nous faire manifester, c'est ça qui est important pour nous. Ce débat qui est important, oui. Il y a le message, la qualité des messages. Deuxièmement, la quantité de monde qui vient dans la manifestation. Bon, nous, Eval, en manifestation, madame, qui y a des centaines de milliers de monde qui viennent pour nous faire violence. Il m'a pris. Il y a des pouvoirs même. C'est pouvoir. Par exemple, dans cette palais national, on se trouve pareil. Où est-ce ici? Là, on y a l'intérieur de pouvoir. On y a tête pleine. Il n'y a pas d'humilité. Moi-même, des députés, j'ai une expérience de mon cabinet particulier. Donc, ministre, après, je suis député sous Michel Duvier, bien lui. Dès qu'il y a occasion. Mon cabinet. Mais où est ministre là? Il y a une femme citée, donc, monsieur Alric Nicolas. Comme si c'est son professionnel politique. C'est pas mec qui j'aime d'accord pour vous d'avoir la côté de à côté de nos non. Tu vous taille. Qu'est-ce que à lui Chicola. Ok. Ministre des Affaires étrangères. Sous Michel Pierre-Louis. Il y en a gros ministre des Affaires étrangères. Pays à de gagner ça. Dans le pays de bon bah, il va lui dominicaine. Il a assassiné le roi ici. Et monsieur réuni cabinet, monsieur dit, monsieur, pas un acte héroïque. Il va normal. Ça n'a fait là. On a mal fait. Monsieur dit, je vais convoquer l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, et je rappelle mon ambassadeur en République dominicaine, monsieur dit à la chancellerie, monsieur convoqué
l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, je rappelle, l'ambassadeur de la République d'Haïti en République dominicaine, vient à la chasse et vient à m'expliquer ce qui s'est passé là. Il va romane, monsieur. Dans le 21e siècle, on a décapité mon. Comme si son place unique, nous avons assisté à la vie, on a pris. Bonne explication, la République dominicaine, ambassadeur, bien comprendre. Donc, sous question ça, nous n'avons pas choix. Vraiment, qui était au bien? Où font manifestation, besoin de la grande foule. Violence a venu, des fois, c'est pour voir pas les manifestations finies avec grande foule, you casse you. Donc, qu'on y a, moi-même, sous question, et m'a retourné dans l'opposition. Parenthèse, point de vue, sur le bayou, c'est point de vue global. Qui j'ai en opposition fait pouiller. Alors, moi, je vais poser une question. Oui, mais je vais poser une question, vous la préciser. Alors, si je veux l'ensemble de mes formulations. Attends, madame, je vais préciser. L'opposition, où est créée sous Matéli, hein? Je vais vous dire ça, Eval, parce que nous sommes au courant de ça. C'est Matéli même qui crée l'opposition, hein? Je vais vous dire ça, qui j'ai le casse politique à te comprendre, monsieur. Ah, mais donc, nous sommes vrais démocrates. Non, d'accord, vous allez poser ça. Vous allez dire qu'il pour qui ça? Par exemple, dans 100 jours, dans 100 jours, combien de jours, monsieur? Dis, monsieur. Sans jour, monsieur, quitté, monsieur, pas de douleur, là, moi, je suis quitté, monsieur. Là, pour pas que je discute, si monsieur, qui a chassé, qui a fait un bagage, même si ça va bien, 60 dollars, là, pas embêté, monsieur. Tout n'est d'accord, il y a un point recul, il y a regardé, monsieur Cavajou. On dit, vas-y, quand le sénateur Moïse Jean-Charles a été chez lui, bon, pour raison, parle, pas qu'on est, Moïse Jean-Charles, sénateur Moïse Jean-Charles, t'as le CAI, président Matéli, son sénateur, son président. Et puis, il m'a dit, secrétaire, alors, vous lui le président, va normal, rapport entre autorité, autorité. Oui, secrétaire à lui-même. Al dit président, ça. Président Matéli d'alors, et puis, président minimise, monsieur. Kounia, sénateur, m'a cité, non, puis c'est son fait, lié son fait historique. Et puis, réaction, sénateur Moïse Jean-Charles, il est attaqué. Et puis, Kounia, président, commencé à jouer, mon allocution, dit c'est volé cabrit, volé terre, volé tout le monde dans le monde. Kounia ne dit pas normal. Et puis Kounia, mais il était quitté. Le nombre de temps qui passé, Jovenel Moïse, montez nos pouvoirs dans conditions que tout le monde connaît. Mais, nous-mêmes, par exemple, nous-mêmes, depuis création, Jovenel Moïse, nos propositions, nous avons fait partie G8. Nous avons coordonnateur ta mobilisation G8, nous avons cassé l'élection 22 janvier. Et puis nous avons cassé l'élection 22 janvier. Donc, préposition, copier HTK sur ça. Donc, en d'autres termes, nous avons dit que choix au niveau de l'opposition, l'opposition, par exemple, sous le gouvernement, il y aura un pays en paquet de services. Si on fait première enquête sur le rapport Pedro Garibia, oui. L'opposition institutionnelle là, il te permet, président Jovenel Moïse d'alors, pour monsieur te avancer sur les bagailles. C'est pas ça le fait. Il a attaqué nous à gauche à droite. Donc moi-même, moi pense que je dis à Nassa Noyé là. Nassa Noyé là. PHTK a conduit dans la donne. Comprenez? Je dis à 7 février 2021, comment imaginer? On préside, monsieur, 8 ans, 10, 9 ans, quoi. Deux mandats. Mais que pas organisé l'élection pour Kazakh. C'est ça que nous allons regarder. Nous allons regarder député avec, bien évidemment, avec campagne qui ça nous pourra le faire parce que justement, pays. Oui. Faut que nous fassions ça. Oui, Mazarin, souviens là, ça, en quelques secondes. Moi, je me dis que, oui, ceux haïtiens ont hérité ça, violence, puisque son société qui se tient dans l'esclavage. Tout nous connaît bien, ça avec fouet, ça a bâton. Nous-mêmes qui levé là dans le système, nous avons un bâton qui nous corrige, non plus le bâton que nous prenons soit dans l'école, soit dans la famille. Donc, on ne peut pas vraiment nous souhaiter comme ça pour arrêter de bon enfant, les violer de l'oual, mais les estimer que nous avons fait l'abus. Parce que c'est naturel pour lui-même. Mais nous sommes capables de dire, bon côté, nous vivons, nous avons un pas violent pour les gens qui ont opprimé l'oual. Comme si l'un fait historicité, jeunesse société. Les doués violents, mais pour ça la passer comme misère, comme matière, en bas, nouveau colon, qui c'est Aïssé Mignard, pareil, lui, il n'est pas violent. Attendez. Je dis que, il y a une sacrée légitime défense. Les hommes viennent tout nous la caillou, sous quatre l'avant, ou mettez la tête. Les hommes prennent bien. Qui était supposé venir pour faire l'école, pour faire l'université, pour bon santé, ok, yo krasil, yo gaspillel, y'a l'été dans la banque étrangère, peuple a été de bailler une réponse proportionnelle à comme ça. Mais malheureusement, ou après jusqu'à date, y'a un comportement de bon enfant, peuple a kembe. Oui, moi connais.
pendant parcours mouvement yo gen sequel de violence qui gagne sur là. Mais est-ce qu'on est moi-même témoin en pile fois violence a au fait c'est soit de moun yo habillé en policier ou bien c'est policier qui connent provoquer moun yo. Gen parfois moi connais gen des moun policiers, gen quelques policiers qui étaient corrects que pour étaient salués. Quand gen moun qui connait attaquer parce que yo pas connaît les maigres a volé pas connait ni mâle ni femelle. Mais généralement c'est de moun PHTK, c'est de moun qui habillé à la police ou des policiers, la plupart dans yo qui connait attaquer moun yo. Donc moi dis que parce que dans préambule déclaration universelle droit de l'homme il dit que le droit peuple là la passe en bas pied systématiquement dans ben l'autre choix qui est révolte. Juste révolte pas faite dans la prière. Donc préambule déclaration droit de l'homme depuis droit peuple là la bafoué systématiquement au témoin je vais venir là tout le monde dit me pas venir et pour aller là kounya me parle comme ça ah non gars il parle pas aller. Non, clairement. Non, là, pour ça. Son gros engagement. Mais pour moi, je vais vous donner. Parce que, on ne pas gagner, pièce garantie, soit on sortit là, soit on prend la caillou. Conclusion. Mais comment l'État, ça, qui dit le papier acheté café noir, on ne peut pas dire, oui, mais dans ça. Conclusion, conclusion, comment, Mazarin? Et ça, nous t'a dit à lui, oui. Pas l'État. Ou nos sociétés pas fonctionner, aucune règle, aucun principe pas respecté. Et c'est pour ça que nous battons bravo pour les Haïtiens. Nous avons fait là, les conscients côté là, ils peuvent arrêter. Et nous profiter de l'occasion pour voir Dr. Elman. Elman qui va me saluer. C'est Néus. Vous saluez le cœur. Oui, il doit être fait. Il doit faire la vie. C'est mon ami, c'est mon camarade. Ah, bon, nous allons saluer. Donc, Mazarin. Ça n'a pas posé là, où est-ce que soulevé là? Moi, je vais venir dans l'émission, dans un paquet de contacts qui fait. Personne ne va venir vous soutenir là, on parle de l'État fait violence. Parce que c'est l'État anti-peuple là. Et Jean-Mazarin Boula là, tu ne sais pas où il dit de violence. Un peuple qui fait, il ne va pas manger matin, il ne va pas manger après-midi, il ne va pas manger à souhait. Bon, où est-ce que ça va fonctionner? Moi, cité Alain Gilet, Alain Gilet. Je me suis fait réflexion sur ça. C'est Alain. C'est de l'article, non, mais. D'accord. Oui, alors, je me suis cité Alain Gilet. D'accord. Mais je voulais poser une question, oui. Qu'est-ce que je voulais poser? En fait, l'introduction Mazarin dit clair que faut que nous bataille contre le système là. Ou même, ou répéter, il faut que nous bataille contre l'État. Clair. Alors, l'État, ça, il faut que nous changions l'État. Bon, c'est le discours de le peuple haïtien. Ouais. Maintenant, pour vous-même, et je pense très probablement Mazarin a partagé, il faut que nous passions par une conférence nationale. Souveraine. Conférence, ça, à permettre que nous posions un ensemble de problèmes, un ensemble d'enjeux, donc nationaux. Il y a une bagaille, moi quoi. Opposition d'accord, pouvoir d'accord, population d'accord, presque tout secteur d'accord. L'autre état ça a passé par le changement de la constitution. Maintenant, pour qui ça? Nous pas bon entendre parce que je venais lui faire référendum pour changer la constitution. Opposition a parlé même bagaille, mais pour qui ça va bon entendre autour de questions ça? Très bien. Voilà. Vas-y, la part de l'organisation de la conférence nationale. Mais pas parler de changement constitutionnel, j'avais pouvoir parler. Vas-y, on va parler, non? Moi, je suis ancien parlementaire et il y a un pigou acte nous poser le 29 mars 1987, le bas de la jeunesse de 1986. Il y a un premier go. Nous allons poser, c'est le vote de la constitution de 1987. Et laisse ça, Eval, nous tentons de parler de démocratie pour la première fois. Nous tentons de parler de pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Le principe, en d'autres termes, le principe de la séparation des trois pouvoirs. Qu'on y est un. Mais en deux constitutions 87, là, ça n'a pas l'air là, l'idée. Sauf l'échanger, les tracés procédures. Il dit,
par exemple, une législature sortant qu'a déclaré de faire la déclaration d'avoir demandé ou le pouvoir exécutif pourrait le faire. Mm-hmm. Si ça fait, législature qu'a venu a mettre en débat les amendements proposés par la législature sortante. Mm-hmm. Il y a pas, il y a, si on votait favorablement majoritairement avec amendement haut, constitution amendée, si on rejetait l'ancienne constitution, tient sa place. Mm-hmm. C'est pas de ça, c'est pas parler même pas avec Moussaou. Mais dit l'organisation de la conférence nationale là, nous dit système sac là, que nous baptisons système baiser sous c'est, il a tout le fini. C'est système sac bon, mode qualité, disparité au niveau de la société haïtienne. L'inégalité criante qui existait entre petit groupe monde qui gagne toute richesse pays en même avec majorité monde qui pas gagné en même badi 1 ou 2% baronnet. Mm-hmm. 3%. Donc on y a une injustice sociale qui fait un de système ça parce que Dessalines à la création de l'État démocratique ou le demeure ou le demeure le demande ça Dieu devrait créer un État socialiste. Comment ça là? Mm-hmm. Un État démocratique, un État socialiste. Donc à partir de ce moment, pour te gagner, on se fait d'équilibre entre les différents classes cap fonctionnaires pour permettre tout le monde de rapporter. Regardez sa vision de justice sociale. Justice sociale. Mm-hmm. Maintenant, à partir de ce moment, système là, il dure longtemps, son système de justice, son paquet et violation systématique des droits et des libertés des citoyens qui a fait, nous dit faut système a changé. Et là, nous dit faut système a changé, c'est l'organisation de la conférence nationale là. Qui, c'est l'EFIN organisé conférence nationale là, c'est l'EFIN organisé conférence nationale qui va mener au nouveau système. Donc vous avez pas besoin de attendez. Yeah. Maintenant, pendant qu'on va organiser conférence nationale là, débat sous nécessité d'échanger ou pas la constitution de 1987. Mm-hmm. En fait, si après consultation, dans le cadre conférence nationale là, majorité citoyen citoyenne dit. Faut nous doter pays à nos nouvelles constitutions. D'abdotel a remarqué, c'est pas le pouvoir d'un homme, c'est pas le pouvoir d'une femme, c'est pas la volonté d'un homme, c'est le pouvoir de la nation. C'est le pouvoir de la nation. C'est pas le cas d'aujourd'hui. Le cas d'aujourd'hui, c'est la volonté d'un ancien président qui veut coûte changer la constitution de 1981 pour ses raisons personnelles. C'est pas pour raison personnelle, parce que la constitution de 1987 là, ben c'est tout téléspectateur, téléspectatrice capitaine de nous là, c'est une pi belle constitution que Haïti jamais gagné. Je peux me poser cette question. Je peux poser plusieurs questions à M. Jovenel Moïse, qui veut coûte que coûte remplacer cette constitution par une nouvelle constitution. Est-ce que constitution 87 là, t'es empêché Jovenel Moïse garantir sécurité à chaque citoyen, à chaque citoyenne? Est-ce que constitution 87 là, t'es empêché à M. Jovenel Moïse de construire des facultés ou des universités dans 10 départements? Est-ce que constitution 87 là, t'es empêché Jovenel Moïse ou le président, parce que comme c'est l'émission à parler, de construire des routes, des autoroutes, ou de routes modernes? Est-ce que constitution 87 là, t'es empêché M. Jovenel Moïse de monter la production nationale et notamment la production agricole, puis c'est bon la timonée, ils font caravane d'échecs. Est-ce que constitution 87 là empêchait Jovenel Moïse de construire des écoles modernes à travers tout territoire national là? En peu plus tard, est-ce que constitution 1987 là t'empêchait bien sûr d'en sortir? Sous question ça m'a dit très clair. Nous sommes attachés en quoi à la constitution de 1987? À sa procédure d'amendement tracé par la constitution de 1987 en rédigeant cette constitution, nous opposait totalement à la volonté de M. Jovenel Moïse de doter ce pays une nouvelle constitution. Et ma fille me dit, qui Jean Pouta prêter ses mains sous la constitution pour respecter, de faire respecter cette constitution et pour qui interdit faire référendum. Et pour dire qu'on va le changer, c'est une aberration. C'est ici là, l'intelligence. Vous comprenez sur question ça. Sur terrain ça, nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, Baldou, au lendemain de 7 février 2021, il n'a ni titre ni qualité pour prendre cette grande décision au nom de l'État haïtien. Là, on n'a pas les pays, on a défendu le principe. Parce que,
pas qu'il y a quelle société qui a existé pour fonctionner en dehors des normes, en dehors des principes. Mm-hmm. Bah, ma pose une question, en fait, m'a permettre que et Mazaré répond avant et Sougain à jour. Pas de problème. Maintenant, vous avez dit que c'est la différence, c'est que nous-mêmes, nous croyons que c'est notre conférence nationale. Souveraine. N'a pas le gain pour mettre sujet à ce table-là. Poser tout problème. Pour regarder pour nous s'il y a lieu ou pas d'amender ou de changer la constitution de Guadeloupe. Pas même amender, on ne peut pas poser le problème d'amendement à l'intérieur d'une conférence nationale. D'accord. De changer. Maintenant, nous avons dit société A. Le monde scientifique a accepté que la constitution ça lui baille certains problèmes. Mmh. Bah, dit pas bon. Non. J'argumente. Mmh. Dit le monde scientifique haïtien. Mmh. Très peu de temps après l'adoption de cette constitution, mmh. Madame Manigal, il qu'on livre ses plaidoyer pour une nouvelle constitution. Mmh. La donne donc. Si cela veut dire, ça veut dire. Mmh. Ça c'est un. Mmh. Deuxième, Samuel Madistin. L'homme de la Tibonite comme nous autres, David Serge, répondu, voilà. Coopération et développement, le rôle du pouvoir législatif dans le fonctionnement de l'État moderne. Yeah. Il a bien démontré que rapport qui dit entre les deux pouvoirs, les deux grands pouvoirs publics constitutionnels, pouvoir législatif et exécutif, il y a un rapport inégalitaire. Yeah. Donc maintenant, ancien député, alors ma cité de ça, ancien député René Cueval, il dit ok. Constitution ça, l'histoire de l'instabilité. Ancien député? Ancien président, bon, ancien président. Et c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs rapports qui font sur lui. Nous avons cité toujours, par exemple, on a été coupé, malheureusement, dans ce petit livre-là, qui dit que la constitution haïtienne, il y a un système, un régime qui est corruptogène et conflictogène. L'issue de l'instabilité. Malheureusement, il y a un petit là-dedans. De toute réflexion que fait tout ça, est-ce que là, nous avons dit, en quelque sorte, okay. L'administration en place, il y a raison, mais il dit qu'il faut l'amender, ou qu'il faut changer comme ça. Marcel Mazarin, il y a des rebondissements tout de suite. Bon, Mazarin. Malheureusement, monsieur et dame qui dirigent le pays, pas jamais prend décision pour éduquer le peuple là, parce que tout simplement dans souci pour continuer à bafouer le peuple là. Val est bien content campagne pour aller rentrer. Mais m'a dit que Fonta essaie de garder pour nous et que je dis bien dans le discours de campagne de monsieur Jovenel Moïse, est-ce que chez la constitution était entré en dedans? Elle était pour mettre peuple là bagarre ça pas chez la constitution ça. Non. Au contraire, dans le serment que monsieur était prêté à dire, il prend engagement pour le faire respecter, lui-même pour respecter et pour le faire respecter. Donc, où est là on a fait avec amateur, c'est pas qui est grave. Oui? Parce que amateur a lui toujours à improviser, parce qu'il n'a pas une pièce préparation le fait pour rien du tout. Donc comme monsieur a pour mettre manger pas tomber, il pour mettre sécurité pas tomber, malgré bal bloua, bal terre, yo bal moun, yo bal soleil là, il va faire rien avec eux, mais qu'on a l'a improvisé. Ça, c'est un bagaille, nous croyons que faisons tout chita sur ça. Donc, monsieur n'a pas qu'à courir pour ça te promettre pendant tant de temps. Ça, c'est un bagaille. Deuxièmement, tant pour monsieur Jovenel Moïse, tu abordes des questions, ça a passé. Parce que monsieur Jovenel Moïse, tu gagné majorité dans le Parlement. Elle fait ça, lui, elle est pour le mettre au premier ministre, lui, elle est facile, elle est pour le retirer, facile, elle est pour le faire, elle est faire facile. Donc, s'il y a un projet pour te suivre constitution en vrai, pendant le mandat là, avant cette année 2021, l'État a fait ça. Donc, monsieur, pas de ça dans l'agenda. Maintenant, Val, ou dit que constitution, puisque tout le monde a parlé pour changement ça, ni opposition, ni pouvoir, ni société, nous tous d'accord, faut que les changer. Ou bien, faut nous retirer quelque bagaille là-dedans. Même tout qu'on aime bien tout, constitution ça. Monsieur dame qui t'a dit j'ai payé pas de jambe une fois voulait appliquer même 20% la donne. Parce que la donne lui dit faut que tu à l'école, l'éducation primaire ou bien fondamentale doit gratuite. Pour qui ça? Monsieur dame qui passe sous pouvoir pendant ta constitution pas de jambe fait démarche, pas de jambe prend décision pour tout le monde à l'école. Les garantit logement social, les garantit travail. Mais pour qui ça, société a pas jamais besoin de travail, pas besoin de logements sociaux et contre corruption. Donc moi-même, je crois,
constitution a des balises, a des bagages pour nous mettre là-dedans, parce que moi quoi, dirigeant ça aussi, c'est le droit article qui te dit, si on chef l'État, on parlementaire, on kazek, on azek, on magistrat, depuis le parfait, sa constitution des boutés fait le parfait, il y a tout lié à l'espace public, mon cher nègre, tu as pris une décision, puis tu as appris la constitution. Si on te dit, après mandat, c'est pour arrêter, mettre en prison, pour notre exemple, monsieur, tu as fait ça pour te faire. Moi, je crois que la constitution, tu manque de garde fou dans ce sens-là. Moun qui va diriger, il faut que garde fou qui puisse serrer contre chef, contre dirigeant, pour forcer à appliquer la loi. Et laisse à moi, je crois que avance. Sous affaire, conférence nationale nous dit oui, nécessairement, ce changement, eh bien, changement de constitution, la passe nécessairement par la conférence nationale. Faut que nous nous disons, faut que nous nous disons ça pour faire, faut que nous nous disons ça pour sortir, ça pour pas sortir. C'est pas un grand monde qui croit que le bon pouvoir en mêle, que le kidnappé, tenez bien, le kidnappé, et puis je vous dis à l'unité pour changer la constitution. Mes amis, c'est à prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est à prendre peuple haïtien pour tête dans sac, pour nous quitter malgré acquis que nous avons fini de joindre après 1986, pour nous doter payer de cette loi, nous avons quitté monsieur PHT, monsieur Dame PHT, vous êtes logique ça, mes amis, qu'on rend fou ou sage, nous sommes capables d'accepter ça. C'est peut-être ça, nous battons bravo de demain, tout secteur de l'armée nationale là, qui campait pour dire ça, pas de fait, et nous espérer. Monsieur Dame PH Kayo a tant de raisons. Et nous commençons à attendre de nous qui avons supporté le nouveau international. Commencez à dire, projet ça n'est pas inclusif, n'est pas café. Donc moi je crois que c'est ça pour nous arriver. Oui, conférence nationale, souveraine, souveraine, pour nous permettre à ce que nous changions la loi ça, pour nous retirer ça, pour nous retirer, pour nous quitter ça qui bon, et pour nous avoir en fonction de le monde. Ok, de goût, de salué, nous n'en doutons qu'après Mandali, personne n'a le droit de juger. Oh mon Dieu, c'est grave. Bonsoir monsieur, donc Miranda m'a participé dans le débat depuis dès le début. Donc, qu'on y a pas rentré là-dedans. Mes félicitations monsieur, puisque en pile monde trouvait que n'a déposé en mon créole. Écoutez bien, Mazarin, il y a un groupe, en fait, ou fait partie du groupe qui croit que président Jovenel Moïse à lui seul, pas qu'à décider changer maman loi en pays. Mais leur articuler les arguments ou montrer que, enfin, tout à l'heure, d'attendre ancien député Serge, lui-même qui t'expliquait que, ou pas qu'à prêter serment sous constitution pour faire respecter, etc. Maintenant, je vous dis, on décide de changer. Mais monsieur, Kounia, est-ce que nous d'accord, constitution a un problème? Par exemple, vous souhaitez expliquer que, il y a le garde fou que vous pas mettre. Bon, Kounia, si ce n'est pas un président qui est élu, qui a changé la constitution hein, avec accord peuple, est-ce que ça t'a dit c'est notre transition pour nous manier maman loi pays? Parce que quel que soit président qui prend élu là, ou bien bah, on est qu'à prêter serment, l'a fait sous constitution. Hein. Or, si argument qui dit si vous prêtez serment sous même constitution, hein, ou pas capable de changer, maintenant qu'on y a qui moun qui a changé la constitution. Je réponds. Ou bon, allez, pas un problème. Oui, on conclut, on va essayer de répondre à ce. Campagne, quand le âme de commencer pour nous dire que le nous chef, nous pensons que c'est un bourreau, nous y est. Son tout puissant, c'est pas un bon Dieu que nous y est. C'est pas que, Gomba, avec ce dit là, nous est tombé. L'ex-président Jovenel Moïse a eu une possibilité pour te faire ça. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas de président dans le pays. Il faut nous classer ça. C'est un président, malgré le mandat arrivé à terme, qui a eu le pouvoir, on a dit qu'il a kidnappé pour le pouvoir. Si le premier à kidnapping qui fait prendre avant kidnapping à faire agent dans le pays, c'est 7 février que Jovenel Moïse fait avec ça. Donc, il faut nous classer ça. Donc, on a dit véritable kidnappé que nous avons là. C'est monsieur Dampé HTKO qui kidnappe le pouvoir. Et nous tout faire ça. Pour moi, nous répondons. Maintenant, Jovenel Moïse, l'ancien président, était capable toujours de mettre le sujet ça en débat. Mes amis, mais qui problème nous gagnons pour nous amender?
nous pas en majorité dans le parlement et puis nous adresser calé nous mettre tout le monde sans hypocrisie sans fanfaronnade nous rester ensemble nous que nous de bonne foi bon garanti peuple société a pas à camper en face Jovenel Moïse. Donc ça moi je crois que c'est important. Okay. Jovenel Moïse pas profiter de l'occasion ça pour te permettre à ce que mettez bagaille ça en débat sans c'est pas imbattable. Parce que pour faire l'IA, il faut le proposer dans la nature. L'autre ça qui a venu, c'est lui-même qui vient ratifier lui. L'État a toujours pris adhésion et après ça, l'État est capable de résister la veine. Ok, très bien. Député Serge. C'est Copane, ça? Campagne. C'est pour moi, c'est une très belle question. Comprenez cela. Mais Mazaré. Non, interventionnant, les gros bails d'or qu'elle dit là. Monsieur, comment nous voulons, nous pas jamais appliquer la constitution, hein? Et puis nous voulons amender. Qui était la constitution appliquée? Je vais vous donner deux, trois exemples dans la question. La constitution américaine, la première élection nous pourrons réaliser. Élection démocratique. Qui peut le craser, qui est américain, et Marco Tio peut le craser, c'est l'élection 29 novembre 87. 29 novembre 87, c'est la première élection pour l'organiser sous l'égide de la Constitution de 1987. Et les SAA, ils ont pris froid toute structure qu'on est là. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et autres. À partir de ce moment, tout pouvoir état fonctionnel, chambre des députés, Sénat de la République, dans le SAO. Procédure. Pour amender la constitution, hein, tu n'as pas appliqué. Et, je ne vais pas répéter ça, mais c'est un monde qui dit, la dictature qui existait dans le monde, c'est la dictature des lois. Ouais. Constitution dit, qui j'en souvle, amender, qui j'en pour modifier, c'est amender pour amender. Et, pour faiblesse, mes amis, nous sommes d'accord que la constitution n'était pas une œuvre parfaite. Et elle ne saurait l'être. Son œuvre humaine, elle a ses faiblesses. Donc, il faut dire que la constitution 87, là, que nous avons soulevé devant Sam de Boumen, c'est une réponse par rapport aux 29 ans du régime de Duvalier père et fils. Comment? C'est une rigidité là-dedans, mais il dit qui Jean pour amender, c'est la fin législature pour amender, n'importe qui président qui l'a, depuis l'existence, pas qu'à faire autrement. Revenons-en. Sous la volonté de M. Jovenel Moïse de vouloir changer cette constitution. C'est la volonté d'un homme. Pour ses raisons personnelles. Ce n'est pas pour les raisons d'État, pour les raisons. Et, d'accord avec Mazaré, et c'est ce même principe-là. Je vais répéter seulement ça tout à l'heure, sous l'égide de la constitution, et puis pour respecter et faire respecter la constitution. Et pour dire, on va changer au nom de quel droit, au nom de quel principe, on va le droit ça. Admettons que, on y a un bal vini. Maintenant, nous sommes dans une situation exceptionnelle où nous avons un régime un principe constitutionnel qui passe gaspillé mandat là. Les venus vont côté 7 février 2021, Madame Chauffini à la lumière de l'article 134-2 de la Constitution de 1987 qu'elle voulait changer. Pour les sons parle. Maintenant, nous avons une situation exceptionnelle. Pays par le gouvernement de transition. À l'intérieur du gouvernement de transition, nous dit débat. Sous constitution, hein, la fête, parce que nous prenons nos conférences nationales, ce n'est pas référendum, nous ne le faire. Nous avons une conférence nationale, je dis, hein, qu'on est d'accord ou pas d'accord, conférence nationale a imposé tête. Et à travers la conférence nationale, là, à l'intérieur de la conférence nationale, la finalité de conférence nationale, c'est de mener nous vers un changement de système. Sauf une enquête sur changer de système, là, ou après, mon société a d'accord pour système ça changer. C'est pas référendum. Il est différent totalement de référendum. Okay. Référendum non, n'est besoin pour changer constitution. Ça pour faire constitution qui est une gamme de inspirer volontaire. Député Serge. C'est différent. Député Serge. Puisque débat est déjà fait déjà. Oui. Et en fait, où t'es dit situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ou spéciale. Maintenant, admettons que président Jovenel Moïse pas sous pouvoir encore. On vient gagner en transition. Est-ce que nous pas senti
par rapport avec gens, population, comprendre, gouvernance, PHTK, les deux versions, et comportement des membres de l'opposition, et ils arrivent à la conclusion que faut qu'ils comprennent sa transition. Et je dis, hein, même gens, tout le monde voit que l'élection comme principe de base dans la démocratie, qui a fait la démocratie respectée, nécessaire, il est obligatoire, mais il garde transition, hein, et puis il dit, est-ce que c'est pour un lourd héritage, un mauvais précédent, qui fait que nous versons, peut-être que il y a des gens qui travaillent pour ça, mais peut-être pas ou pas bois. Mais est-ce que question transition, hein, qui ça même, qui base légal que tout problème nous gagne à travers élection et qu'il y a son transition qui pour changer problème ça yo. Qu'il y a qui forme de transition n'a pas lié. Transition de rupture ou rupture de la transition. Est-ce que dans 7 ans, 5 ans ou 7 ans plus tard, après transition, si on voit qui pral gen là et puis pral gen l'autre transition. Est-ce qu'on y a là nous pas institutionnaliser par rapport à que nous vinn trop à l'aise dans transition. On m'a vrai compagnie. Oui. Quel beau élaboré bien. Merci. Pour la m'a dit. Parce que Mazin pral intervenu probablement après moi. Donc dit l'on parler de transition ou sorti nos ordres anciens pour aller dans vers un ordre nouveau. Et l'on parlait de transition, ou pas capable nous parler de transition, évoquer la constitution. Maintenant, pour qui ça? On se dit, il y a des gens qui travaillent pour ça. Oui. Mais comment on parle de nos bagailles? Il y en a l'objectif qui mène nous vers la transition, c'est Jovenel. Puisque, il passe tout le temps, passé là, il va organiser l'élection. Non, ou pas quand même parler de transition, problème qui t'a posé la journée, qui référence t'as fait, ou t'as fait référence pour aller vers le Parlement à la lumière de la Constitution de 1987 version amendée, selon ce qu'on a parlé. Allié objectif qui mène nos vers transition, qu'on dit qu'on veut ou pas, nous parlons de transition, hein, c'est équipe Jovenel Moïse. Mais maintenant, qu'on y a, c'est et faut me dire pour nous va institutionnaliser la transition même pas dire bagaille comprendre est-ce qu'on connaît des cas de vie si ça jodi a demi élection ou bien des élections acceptables qui organisées dans pays a ce gouvernement de transition oui moi bon, mais les avis sont partagés ou mitigés oui m'a pas d'exemple et d'autre organiser élection 16 décembre 20 janvier 1790, 20 janvier 1791. C'est à toi qu'on organise. Élection qui mène Préval 2006 au pouvoir, c'est Boniface Alexandre qui te organise. Et, gardez pour eux, toi qui vol, corruption qui fait en d'un pays, toi qui a fait élection qui fait en d'un pays, c'est gouvernement, c'est régime qui sont dans l'élection qui fait. Oui, mais on est d'accord avec que. Il semblerait que, au niveau de la justice haïtienne et au niveau de la conscience populaire, les gouvernements de transition, ceux qui ont travaillé, ceux et celles qui ont travaillé dans des gouvernements de transition, c'est comme si c'est des gens qui n'ont rien pour reprocher avec eux dans l'administration publique, dans la gestion bien l'État. Non. Parce que je ne vais pas mettre au grand jour. Parce que bon bail qui dégage. Ou bien l'impression, depuis c'est la transition, on a parlé de corruption, on a parlé de monde qui gagote comme l'État. Ou bien l'impression, il a envie de mettre les gens de côté comme si on pas là-dedans. Non. Mais exemple vivant, Mabdo. Soit le moyen d'être comme président de la République qui dirige en transition pendant un nombre de temps. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous avez besoin de voler l'argent de l'État? Ministre Lio,
Vous comprenez? Je vais prendre un exemple sur Boniface Alexandre, que je dis à me charger un problème avec elle. Bah, comment je charge un problème avec elle? Parce que là, l'entrée dans la constitution, je vais perdre toute salle de là. Comme prestige, comme respect dans la société. Là. Parce que côté là, l'entrée là, Boniface connaît pas de l'entrée là. Oui, parce que vous êtes en face. Non, et pas parce que je suis en face. Oui, vous êtes en face. Non, attendez, comment? Quel est le bagage que vous faites dans la société? Dans la société, il y a des acquis. Ou réaliser dans la société, il y a des passifs. Qui n'est pas bien sous dehors, des bails positifs ou mener dehors, soit organisons une élection, ou qu'on doit dire tout sauf lui. Conseil électoral va être préval. Comprendre des bails comme ça, monsieur, organiser une élection, depuis que le sénateur passé des bails de ce genre. Il n'est pas rentré là. En plus, son personnalité, au grand professeur à l'université, comme regardez vous quand vous bouchez, mais là, il peut commettre pigoué dans la ville. Donc, femme d'Aradi, les gens qui passent dans la transition, ce n'est pas que au sein. Mais au minimum, parce que la société a tout le monde qui vole. Actuellement, il y a des gens qui vont dans la transition, qui volent, qui volent, oui. Il y a des gens qui passent dans la transition, qui volent, qui volent. Bon, même, la société a volé, volé. Parce que Haïtien, gros gens fonctionnent. Depuis qu'il y a l'argent, gros gens, comprenez ça? Je ne vais pas dire que tout le monde qui passe dans la transition, c'est le monde qui sait. Je vais dire ça. Mais dans la majorité des cas, par exemple, si je prends le président, si je prends le monde qui était premier ministre, le ministre de ce genre, donc mon cher, il y a moins de choses à reprocher par rapport avec moi qui sont dans l'élection, qui ont légitimité, et au nom de légitimité, il y a bien la corruption. Ce n'est pas transition qui a gaspillé 4 milliards. C'est pas transition qui a gaspillé 4 milliards. Est-ce que vous ne pensez tout? En fait, nous parlons le jeune Mazarin, parce que nous voulons pas pouvoir aborder avec nous. Mais est-ce que vous ne pensez que, comme si Jean-Sapra allait là, question de transition, non, écoutez bien, Jean-Sapra allait là, élection organisée, problème. Pas gain élection, problème. Maintenant, moun élu, problème. Pas gain moun élu, gain de l'autre moun qui vient dans la transition, problème. Est-ce que je vous dis, hein, problème n'est pas plus fondamental que une question de transition, après une certaine transition, après l'autre moun qui a élu. Et puis, est-ce que nous, au niveau de l'opposition, est-ce que nous pas de changer de stratégie, vous qui êtes de l'opposition, dans le sens que. Mais, par exemple, il y a plus de monde qui dit, de manière banale, simple, pour qui ça opposition parle dans l'élection. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'opposition est capable, ou bien, le peuple a une garantie à travers une transition, opposition qu'il a aujourd'hui, hein, pour être capable de gagner l'élection, et finalement, une fois pour toutes, il y a des gens qui prennent le pouvoir. Si c'est pour 4 ans, c'est pour 5 ans, on fait 5 ans, et puis bon. Après, on renouvelle le personnel politique là, sans que pas gain de monde qui est obligé de dire ah, faut son transition. C'est très bien. Au profond. Toute intervention peut être très profonde, que m'admire un peu. Mais comment nous s'opposer là, ou poser le problème fondamental pays à même. Premier bar, vous avez dit, pendant que vous avez intervenu tout à l'heure sur la question de nature des transitions. Tout le monde est d'accord que nous parlons de la transition des rituels. Et que nous parlons de nos démarches pour la dernière transition. Dernière transition avait dit que nous finissons organiser tout le bagage, conférence nationale organisée, ou venons au nouveau système. Dans le nouveau système, n'a pas l'air, l'État a existé et l'État fonctionnel. Ou pas pour l'État, ça au là. L'État, ça au là, son État anti-peuple, son État antipathique, son État antidémocratique lié. Système n'a pas l'air, la donnée, ou pas pour l'État démocratique. Ou pour l'État comme Dakadio ou l'État responsable. Mais avec le niveau. Avec le niveau. Soit changer le système. Peu de temps. Oui, soit changer. Non, non, soit changer le système. Non. On qui peut aller dans le changement du système. Non. Il y a soumettre aux règles de nouveau système. Non. C'est pas que mon yon mauvais. Vieux, bon, bon exemple. Toi, quand vous ne pas respecter la loi ici. Depuis qu'on prend l'avion, il y a les États-Unis, il y a la France. Oui, c'est vrai. Soumettre le sujet. Mazaré. Bon. Et pour le changement de système que nous avons parlé, et avec monsieur dame qui l'a eu, et nous sommes dit déjà là, c'est que ce n'est pas mon problème. Non. Ça me dit là, moi sincère avec lui. Si je prends l'ex-président Jovenel Moïse, mettez le président des États-Unis, monsieur Abbaï, le résultat. Voilà. Gardez bien, Trump est sorti pour faire sale TV dans les États-Unis. Mais tellement le système est fort, eh bien, Trump prend forme col. Bon, moi, je crois que, et ça fait, nous dit, il ne faut pas trop intransigeant vis-à-vis de ceux qui sont en face de nous.
qui c'est moi qui n'a pouvoir, pas besoin d'aide. Maintenant, ça fait n'a pas là. Nous tous nous conscients que équipe PHTK les gens contents pour te permettre nous faire transition ça. Et transition n'a pas là, c'est une transition qui se rêve pas campagne. Qui se rêve pas jeune garçon avec jeune femme, mesdames qui vont de l'eau. Jeune garçon qui fin fait philo, qui fait université, qui conduit moto. Deux jeunes garçons qui dans université, qui sont contre maman et papa, mais qui finit un diplôme, mais ont une licence, qui n'a pas rien. Parce que l'État n'a pas créé conditions pour eux. Ça n'a pas l'air. Si ça n'a pas l'air pour qu'ils changent, c'est côté que jeune fille, pour le travail, il y a un patron, il faut patron, harceler, il faut qu'il couche d'abord. Alors ce que un parlementaire, une autorité, faut abuser mon avant femme ou garçon. L'État ça a pas bon faut changer. Kounia, nous te gagnons ensemble de monde qui était en façon qui te gagne opportunité ça pour te faire. Yo pas faire. Maintenant, nous dit là que fait ma privé là, gagne monde qui a parlé négociation. Gagne monde qui a parlé de dialogue. Qu'en pensez-vous? Nous pas contre dialogue. Mais sur quoi doit-on dialoguer? On va arriver sur ça. C'est important. Non, ça veut dire que je vais toujours demander ça à bien dans dialogue. C'est important. Maintenant, Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, PHTK, mandat à M. Bout depuis 7 février 2021. Si je dis publiquement, il dit mes amis, nous voulons remettre pouvoir, bon, nous faisons pile bêtise, donc je dis à toi qu'on mourit, l'église campée, l'université campée, tout le monde campé, bon, nous ne pouvons pas caquer encore. Et étranger à parler de nous, nous sommes prêts pour nous mettre pouvoir. Mais si on aime nos besoins, dit ou pas venir chez ta journée pour planifier avec lui, comment pour le sortir? C'est bétouillé. Donc, nous même nous dit, parce que le pays que nous réveillons, c'est le pays pour acheter à tout. Et c'est ça, frère, que nous devons connaître. Pour partir avec nous. Parce qu'il y a des gens qui disent ou pas acheter à tout. Mon frère, je te dis, campagne, le centre vous dit, le pays n'a pas l'air, c'est le pays pour acheter à tout. Parce que nous qui n'y en bas l'air, dans de la pensante, côté mon PHTK crasé, touillé, a fait si ma chaîne passe misère. Ça, en tant que structure de parti, ouais, parce que. A fait petit, nous nous allons passer misère. Pas comme le petit ma chaîne, pas fait rien. Alors que nous avons petit qui est dans ville là. Mais si l'état a changé, la boue petit tout. Donc, nous avons un problème personnel avec AIC, compatriote, pour tout le PHTK. Mais nous disons que leur manière de fonctionner n'est pas bon. Donc finalement, le droit tend de la raison. En plus, mandat au grand fait. Donc, qu'on y a en garde ensemble pour étranger pas venir dans son nous, pour nous faire passation, pour assurer. Même quand vient après, yo, yo va répéter même la PHK a fait là yo. Donc, mais ça ne va pas faire dans un dialogue. C'est-à-dire un dialogue. Qu'on y a qui ça ne pense pas. Un dialogue là, parce que religion pour la paix échoué, ou il y a des gens qui disent religion pour la paix fait peur. Pour qui ça qui ça l'a fait? Pour qui raison, même les trois amis qui proche pouvoir, vous voulez parler, me dit, Jovenel Moïse, pas qu'à faire le contraire. Ça pour nous connaître. PHTK Jovenel Moïse, pas qu'à faire le contraire. Il n'y a pas qu'à aller en dialogue franc. Il n'y a pas qu'à faire. Pour qui raison? Monsieur Tegon Bagay, il y a un momentum, que vous raté. Là, monsieur est monté, PHTK en général, première, deuxième version, il était supposé commencer marinègue qui mangeait comme Petro Caribeo. Mais qui mangeait comme CRH. On va faire un conseil gratuit. Non, mais il fini déjà. Ok? Vous avez dit ça? Mon CRH est déjà marié. Et vous-même, ça va aider pour vous-même, 20 pieds. Pour parler dans gagotte là. Mais tellement yo t'es avare, yo t'es assoiffé pouvoir, et que yo pas dit kotof, yo pas de pays, yo pas de patriote, yo rentre tout droit dans même route moun avant entré qui garote pays là. Donc là, nous dit, je vous dis, oui, faut que nous dialoguer, et que toute essence qui pourra prendre initiative pour permettre à ce que PHTK, Jovenel Moïse, remette pouvoir, je vous dis, là. Faut qu'il y ait des gens 4 sous table. Bonjour, mon conseil m'a donné fini. Tout pour nous mettre sur ça. M'a donné fini. Souhaitez nous là pour nous lead un mouvement pour négocier, pour sortir. Premièrement, faut d'accord pour voir fini et prendre décision pour mettre pour nous bon pouvoir. Et puis, je vais aller vers l'opposition. M'a dit, je venais d'accord. Et nous demandons pour faire une déclaration publique. Vas-y, non, bouche non, public,
Posez mes amis, moi d'accord. Oui, mais c'est la bouchard. Alors, c'est un bouchard. C'est imbattable. C'est imbattable. Donc, là, pour dire ça public, et là, ça, nous-mêmes, opposition, tout le monde a pris acte et puis nous avancer parce que le pays n'a pas capable de causer encore. Oui, c'est rupture totale qu'elle nous dit. Et en un projet que nous définissons, moi, je pense que il faut mettre des balises pour nous marrer voler ici. Très bien. Député Serge, oui. Alors, faut vous une réaction à propos oui, de... Oui, faut me rappeler, moi, je m'appelle là, dans non, Force Nationale pour la Démocratie, FND, qui est un ensemble de structures pour la politique là-dedans, l'organisation de la société civile, l'organisation FND, populaire. Force Nationale, oui, Force Nationale pour la Démocratie, FND, Gain Mopod, ENA, Gain Noula, Gain RSD, pour ne pas faire jalousie. Et peut-être ensemble là-bas. Oui, peut-être ensemble, mais en cet moment, nous avons fait un mouvement pour nous faire des opérations ponctuelles. Moussek, depuis là, la opposition réelle, Moussek, non, pas une opposition réelle. Moussek, non, lève le mouvement, c'est que les barrières. À la lumière de l'article 134-2 de la Constitution de 1987, le mandat de Jovenel Moïse a pris fin. Et débat ça, décision, ça souvenait, il traversait les frontières. Là, dans les grandes universités à l'extérieur, il étudiait le traduit dans plusieurs langues. Maintenant. Mais il est encore au palais. Oui, il est encore. De fait, il occupe la fonction. C'est ça, oui. Le kidnappeur, oui. Oui, et ça, il occupe la fonction de la prison. Malheureusement. Il n'y a pas rien comme résultat. Je passe tout le temps, ne le va faire rien. Tous les indicateurs sont au rouge. Inutile de se continuer à me diriger là. Pourquoi? Alors, Kembe, Dassault. Voilà. Qu'on y a pour dire que, démocrates tels que nous sommes, que ce soit au niveau du FND, au niveau des différentes structures politiques, vous comprenez, Abdallah? Pour nous, croyons, nous pas opposer au principe de dialogue comme démocrates. Mais non pas opposé au principe de médiation. Et comment on travaille au niveau de l'opposition dans un espace qui est l'unité d'action. Dans l'unité d'action, c'est un espace de discussion, de débat, de grandes décisions, côté différents pôles politiques. Et heureusement, je dis à fond, il faut rapprocher ensemble et avec les organisations de la société civile pour ouais qui gens n'ont pas résoudre problème ça qui est en face de nous là et pour que bah ça va pas reproduire jamais non d'accord sur le principe de la médiation indirecte comment après 7 février 2021 à la lumière de l'article 134-2 en constatant la fin du mandat de monsieur Jovenel Moïse et vous me demandez d'aller négocier ou un dialogue avec un monde que je ne peux pas reconnaître. Bon, bah, nous pas qu'un langue de bois sur lui. Je veux dire, il faut nous clair. Nous faisons différentes manifestations, mobilisations, par exemple, Jean-Bassin et Sotou là, nous allons à Mirbalet. Nous réalisons un vaste rassemblement et les nous retournons à Port-au-Prince, nous réalisons une manifestation. Méga. Nous réalisons une méga manifestation, 4 octobre 2019, les Nals devant les Nations Unies. Comment? Nous faisons toute qualité bagaille. L'opposition, pour arriver à renverser Jovenel Moïse au pouvoir, monsieur Kembe pouvoir, mais bon côté au Kembe. Nous faisons un abus. Nous pensons que puisque c'est final, nous faisons pas lui parler à nous. Non, je ne vais pas dire ça. Mais si vous faites un abus, vous faites un abus, oui. Qui bon? Vous côté à la Kembe, c'est les États-Unis, il faut admettre ça. C'est la communauté internationale qui met pour raison par eux, pour raison par nous. Comme habite. Pour raison par eux. Parce que tu as dit comme habite. Là, Léo dit habite, habite assez près des décisions. Comme alors, c'est l'engagement. Oui, mais habite là pour le bas. C'est le match final. Non, si on dit habite, parce que habite là pour une décision. Décision habite là sont des décisions imposantes. Même si on y a un bon bail ou les vars, mais depuis dire où l'habite. Va utiliser comme nous faire. Oui, oui. On y a un fort nom dit bail ou j'ai eu. On est allé à premier gros élection démocratique nous allons organiser le 29 novembre 1987. Mais d'où m'assumer moi-même. Américains ont organisé l'élection le 29 novembre 1987 avec l'armée. 16 décembre. Non.
parce que on parle d'Dubaï, peuple haïtien pas jamais croisé bras long. Le avance de 16 décembre pour me poser oui 16 décembre 1990 on continuer faire manif donc continuer parce qu'il y a les élections 37 septembre 94 37 septembre 91 américains intervenir mais bah en coup d'état yo casé rêve haïtien quoi ça américain fait yo bah asile politique dans tout pays avec crème militant politique. Ma parle de crème militant politique, ça n'a pas les allures, on a parlé de parti politique, mais militant politique endoctriné, mais qui te quoi le changement. Quand ça a américain fait, yo bah asile politique avec yo tout. C'est squelette la crédit. L'arrivée 15 octobre 1994, le retour de Jean-Bertrand Aristide physiquement était de retour au pays, c'est de retour à l'ordre constitutionnel. C'est squelette là. Ces conséquences en a payé la journée. On ne peut pas faire le changement avec des gens qui ne croient pas au changement. Très bien. Son auditeur qui m'a demandé de poser cette question, ça pour nous. Qui le, dans combien de temps nous pensez, opposition qui l'a joué après pour la non-élection, pour le prendre pouvoir, pour le battre dans l'élection? Ma réponse tout de suite. Là, nous finissons de réaliser la transition. Nous finissons d'organiser la transition. Mais ça n'a bien le match de la Attendez. On a posé une question seulement. L'orientation PHTK, il y a besoin de l'élection à PHTK. On ne parle pas de l'élection, ça, ce n'est pas l'élection à faire. L'opposition a toujours une opposition dans un pays. De vous admettre un régime démocratique. Parce que ce que tu expliquais tout à l'heure, l'opposition, c'est la minorité. Vous comprenez? La minorité en face de la majorité. La majorité gouverne, la minorité s'oppose. Vous comprenez? De pour notre dynamique démocratique, on a toujours une opposition qui a existé. On est prêt pour aller dans. Alors, on dit l'opposition, parce que moi, je suis toujours dans l'opposition. Okay. Vous comprenez? L'opposition est prêt pour participer dans l'élection. Là, nous finissons de réaliser la conférence nationale là, nous mettons changer système, laisse ça à une élection libre, honnête, démocratique. C'est pas bah préfabriqué. Ça sous l'affaire là, qui fait payer à tort, n'a pas souffri, élection à 1000 gouttes, élection à 150 gouttes, élection à 250 gouttes. C'est laisse ça, on mène, nous parlons d'élection, n'importe qui monde qui est candidat, ou président, ou pour député, monde qui est président. Robinson Lazare. Eh bien, moi m'a dit un seul mot. N'a prêt pour l'élection. Alors, l'on dit opposition, opposition, il faut faire distinguo. Parce que tout le monde, secteur qui campe, je ne veux dire, qui compte dictature, qui compte, n'a dit otage pouvoir que M. Ofelayo, il est dans l'opposition. Donc, il y a l'opposition politique, on a fait politique qu'on y a là qui prêt. Maintenant, les terres ont déblayé et que Jovenel Moïse remet le pouvoir. Et me pensais que l'opposition n'a pas peur de ça. Parce que ou pas capable d'aller dans l'élection avec un monde qui prend un pouvoir en otage. Donc, nous croyons si M. Damien Bejeune a le pouvoir, a et Mounio a l'élection, mais c'est normal pour que vous débliez, retirez quoi vous.